Eh bien, salut tout le monde, c'est KazuGame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Et donc, les amis, on se retrouve pour une nouvelle série. Et oui, nous sommes pas sur le serveur SeaWorld, mais nous sommes sur pixelmonia.fr, qui est une aventure en Minecraft modée. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a un petit Nosferalto qui est en train de voler. Et donc voilà, on va se faire une petite aventure Pokémon. Donc là, du coup, on est au spawn. Bon, il n'y a pas grand chose en soi au spawn. Téléportation aléatoire. Donc là, c'est pour se téléporter. Ouais, il y a le Tardis. Il y a le Tardis. Pourquoi il y a le Tardis dans Pokémon? Je sais pas. C'est bizarre. Enfin bon. Du coup, voilà, on est au spawn. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose. Alors c'est du modé, donc ça va me permettre un peu de commencer du modé. En fait, j'en ai jamais vraiment fait de modé. Hein. What? Oh, il va vite lui. Niveau. Ah, c'est un dresseur. Donc voilà, moi j'ai jamais vraiment fait de modé en soi. Donc ça va me permettre de découvrir aussi le modé. C'est vrai que. Ah bah il y a. Ah bah il y a un Zoroa ici. Oh là là. On va se capturer là. Ouais, là. Faut peut-être que je prenne une Pokéball. Non? Je découvre, hein. Alors, à mon avis, faut l'attaquer. Allez, Salamèche, tu fous quoi, là? Attaque! Salamèche! Salamèche, tu n'obéis pas, hein. Allez, attaque-le! Faut pas compter sur toi, Salamèche, hein. Allez! Je veux les Zoroa. Je t'aurai! Allez, reste dedans. Allez, reste dedans. Allez. Ah, elle est ressortie. A few moments later. Allez Zoroa, tu restes dans la boule. Allez. Allez. Oui. J'ai attrapé Zoroa. Voilà, le premier Pokémon attrapé. Eh ben dis donc. Bon après ça se trouve c'est peut-être pas un Pokémon rare, mais de base, Zoroa c'est un Pokémon légendaire. Par contre j'ai cassé une boule, j'ai des morceaux de boule. D'accord. Donc comme on a dit, il faudra la recrafter. Donc du coup voilà, comme je disais, je suis pas vraiment un expert sur le modé, comme vous avez pu vous en remarquer. Bon après, en soi, il faut bien un début à tout, hein. En tout cas, c'est beaucoup trop stylé ici, c'est super joli. Hein. J'adore. En fait, ce qui est bien avec les modés, c'est qu'il y a beaucoup de trucs en plus, comme des lampadaires comme ça, qui apparaissent en Minecraft de base et qui rendent les constructions beaucoup plus stylées, quoi. Bon, du coup, je me demande bien ce que c'est ici. On va y jeter un petit coup d'œil, parce que je suis pas venu tout à l'heure ici. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Ah, ok, je pense savoir ce que c'est. C'est une arène Pokémon, je pense. Oui, c'est une arène, c'est ça. Waouh, mais c'est trop stylé là-bas. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Cet effet, il est trop stylé. Oh, j'adore. Eh, mais c'est vraiment stylé. Par contre, bon, ça va, quand on en a un seul, ça passe. Mais quand on en a plus, à mon avis, ça doit faire grave lag. Parce que, vu les particules, là, modées, ça doit pas être terrible. Hein. En tout cas, cette arène est vraiment super belle. Hé, hey, salut toi. Je me demande vraiment comment ça fonctionne. Ah, attendez, je vais essayer peut-être V. Ah, j'ai compris. Attendez, en haut il y a marqué G. Si j'appuie sur G. Ah, voilà, là on rentre en combat. Attaquer, Flamèche. Ok, par contre il m'a fait super mal. Mais il est niveau combien, Polichon? Ah, Salamèche est mort. C'est pas grave, on a Zoroa. Allez, vas-y, Zoroa. Attaquer. On va utiliser. Tiens, voilà, Crocolab. Allez. Ouah, non, mais Zoroa. Ah oui, d'accord, Polichon, mais niveau 15. Bon, je me suis fait one shot. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, les combats, c'est comme ça. Bon, donc, du coup, on va aller soigner nos Pokémon. Hein. Ah non, ça, c'est pour un échange. Moi, je voudrais les soigner. Donc, là, nous avons le PC. Donc, ici, c'est le PC avec la boîte de Pokémon. Ici, nous avons un item thème pour échanger, et moi je voudrais soigner mes Pokémon. Bonjour infirmière Joël, laissez-moi soigner tes Pokémon. Merci, soigne mes Pokémon. Très bien, merci beaucoup infirmière Joël. Waouh, c'est trop stylé quand même, regardez. Hop, encore un PC. On a combien de boîtes? Parce que moi je suis un gros collectionneur, hein. D'ailleurs je joue à Pokémon Go, si ça vous intéresse je pourrais même vous faire une petite vidéo sur Pokémon Go, du moins sur les Pokémon que j'ai sur Pokémon Go, ça pourrait être vraiment sympa. Peut-être même faire un petit vlog quand il y aura un community day. Il y a quand même encore beaucoup de monde qui joue à Pokémon Go. Hein. C'est quoi là-bas? C'est des potes? Ah oui, il y a des joueurs. Il y a des potes.
Stylé. Alors du coup ici nous avons quoi? Ici nous avons le traiteur. Alors le traiteur, ah d'accord, il nous achète de la bouffe. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai autant d'items dans mon inventaire, c'est parce que j'ai déjà commencé à miner. Hein. Je vais pas vous rec la partie minage, hein, c'est pas super intéressant. Quoi qu'il y a quand même pas mal de nouveaux minerais, mais bon ça on en parlera après. Donc du coup lui qu'est-ce qu'il nous traite le traiteur? Donc lui nous traite de la bouffe contre de l'argent. Donc on... ah oui on a de l'argent, d'accord. C'est des poképièces je suppose. Faut faire peut-être slash money, non? Ouais, poké dollar, d'accord. Donc j'ai 0 de money pour le moment. Ensuite ici, bah c'est pour acheter des pokéballs. 12 800 la pokéball quand même. Ah non, non non, 200 poképièces. Ah oh, j'ai eu peur. Ça à mon avis c'est si on en achète un stack. Je pense que c'est un stack à l'unité. Ok, ils ont repris les prix de Pokémon, hein. Si vous savez, pour ceux qui connaissent Pokémon, c'est 200, 600 et 1200 la Hyper Ball de base. Là-bas, il y a Zigzaton qui est en train de je sais pas faire quoi. Mais bon, t'inquiète pas, on va vous capturer à plus tard. En tout cas, j'ai déjà capturé un Zorua et ça, c'est déjà pas mal. Les potions, ok, rappel. Pour rappel, normalement, c'est 1500, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont repris les prix de Pokémon, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal, au moins, on n'est pas trop dépaysé. Le forgeron mineur. Donc là, on peut acheter du minerai. Ah non, on peut vendre le minerai. D'accord, donc le minerai qu'on a, on peut le vendre ici pour se faire des poképièces. Et là, le mineur. D'accord. Ouais, donc va falloir se faire une grosse session de minage. Bah, je ramassais pas la redstone et tout ça. Bah, je vais la ramasser parce que ça vaut quand même. Ça se revend quand même pas mal. Un peu 1,5 de poképièces. C'est pas trop mal, hein. Ouais, il y a un rhinocorne là-bas, il est énorme. Regardez la taille du rhinocorne. Regardez à côté de moi. Salut Rhinocorn, fais coucou à la caméra. Il est énorme. Donc ici nous avons les coffres vote. Voilà, on peut voter sur le serveur comme beaucoup de serveurs. Alors c'est pas un serveur où c'est qu'il y a une aventure comme Pokémon. Hein. Là c'est un serveur survie modé. Donc c'est à nous de faire notre LEM, à nous de faire notre petite ville Pokémon et tout ça. Tout en capturant des Pokémon. D'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a Léo et Nilo qui jouent aussi. Donc il y a des méga évolutions, il y a des shiny. Il y a des Pokémon d'Alola apparemment aussi, donc franchement il y a pas mal de trucs. C'est à nous de craft nos Pokéballs, c'est à nous de craft nos PC, tout ça. Enfin il y a vraiment plein de trucs qu'on va pouvoir faire. Donc j'ai vraiment hâte de commencer là. Va falloir se trouver une petite zone pour Clem, mais bon avant je finis de visiter un peu le spawn pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Si je vois quelque chose d'intéressant je vous reprends et sinon bah, je vous retrouverai après le minage parce que je vais vous épargner un peu la session de minage. Au pire je vous expliquerai les minerais que j'ai trouvé mais c'est tout quoi. A tout de suite. Bon, les gens, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses sur le serveur. Donc, il y a les noix grumes, il y a aussi les baies. D'après ce que j'ai vu, il y a une bonne centaine de baies. Donc, franchement, ça va être compliqué. Là, mon inventaire est déjà full. C'est un truc de ouf. Donc, franchement, je sais pas comment je vais faire. Hein. Va falloir vraiment que je prenne le minimum de ressources, même si je suis tenté à prendre autre chose. Parce que là, c'est pas possible. L'inventaire est full. Et regardez ça. Regardez ça, il y en a partout. Là, ça m'appelle, là. Cueille-moi. Oh, regardez, il y en a encore là-haut. Il y en a vraiment partout. Là, il y a plein de noix grumes. Encore des baies. Franchement, ça va. Il y a quand même pas mal de ressources. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal. Par contre, j'arrive pas à trouver de grotte, là. Bon, du coup, je vais continuer à les miner. Enfin, là, je vais descendre dans les mines. Et je vous retrouve après quand je suis en bas dans les mines. Ah, enfin une grotte. On va pouvoir descendre. Hop. Allez, on descend. Ça, c'est des racines. Alors, comme je disais, il y a différents minerais sur le serveur. Donc, je sais pas, il y a exactement combien de minerais, mais il y en a quand même vraiment pas mal. Alors, c'est assez sombre. Faudrait que je mette les gammas. Écoutez, on va mettre les gammas et on se retrouve après. Ah, voilà, c'est largement mieux. Au moins, là, on voit clair. Pas besoin de faire des torches. Donc, un énorme gain de ressources. Aussi, il faudrait que je mette les cheddars, mais comme c'est sur un launcher spécial, et comme c'est du modé, j'ai peur que les cheddars fassent lag. Mais bon, on testera la prochaine fois de mettre les cheddars, va. Pour l'instant, on récupère le fer, on récupère le charbon, tout ça, comme ça, on pourra aller voir au spawn. Apparemment, le fer, il faut le garder précieusement parce que c'est un item essentiel pour crafter des Pokéballs. Donc, du coup, il faut vraiment ramasser tout le fer que l'on trouve. Du coup, en item qu'il y a, donc il y a deux rubis. Alors, il y a deux types de rubis. Alors, je sais pas pour l'instant à quoi ça sert, mais bon, il paraît que celui-là a une utilisation spécifique et celui-là, pareil. Ensuite, nous avons de l'aluminium, bah, du fer, du saphir, du cristal, de la péridote, du charbon, de l'améthyste,
du silicium. Et puis bah c'est à peu près tout pour le moment. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai pas encore trouvé de diamant. Tout à l'heure j'ai miné quand même pas mal de temps et j'ai pas du tout trouvé de diamant. Mais bon, ça viendra. Bah voilà, là il y a de la métisse. On va récupérer ça tout de suite. Bon écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à miner. Essayer de trouver du diams. Et je vous reprends juste après pour la création du clem et tout ça. A tout de suite. Et donc, après plus de 2 heures de minage, eh ben, j'ai pas trouvé l'ombre d'un diamant. Ouais, je suis dégoûté, franchement, le diamant, et ça doit être super rare à trouver parce que j'ai vraiment, vraiment pas trouvé de diamant. Et pourtant, j'ai miné pas mal, hein, regardez. Donc, j'ai miné tout ça. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre type de minerai, c'est le tanzanite. Et les fragments de pierre de feu, quand elle est réunie, ça fait des pierres de feu. Comme on a vu, pour les autres pierres, il va y avoir des fragments de pierre de lune, tout comme ça. Donc je pense que ça doit être dans certains biomes spéciaux. Mais bon, voilà, j'ai quand même miné pas mal et j'ai pas trouvé l'ombre d'un diamant, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Mais bon, c'est pas grave. On en trouvera peut-être au prochain épisode, je sais pas du tout. Donc du coup, je me suis installé dans cette petite parcelle. J'ai vraiment trouvé un endroit stylé. En plus, c'est relativement plat et en même temps avec pas mal de relief, hein, parce qu'on est dans une sorte de bois. Et ouais, non, franchement, moi j'aime bien l'idée, j'aime bien. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller vendre les minerais que j'ai sur moi là en trop, qui me servent pas. Donc on va faire slash spawn et on va aller voir les vendeurs qui sont là-haut. Ah, il y a un gars qui fly. Donc je pense qu'il doit y avoir des grades sur le serveur. Bon. Du coup, j'arrive pas à vendre OpenG, donc voilà, là, j'essaye de lui vendre de la redstone, donc j'ai 64 de redstone, et donc j'essaye de lui vendre. Mais ça me dit, vous ne possédez pas cet objet alors que j'en ai très bien, j'ai beau faire n'importe quel clic, ça marche pas, on va essayer d'en vendre une par une. Hop. Non, ça ne marche pas, je comprends pas. Donc si vous savez comment faire pour vendre, et ben ça m'intéresse parce que moi, je ne sais pas. Donc du coup, il y a Enilo qui vient de se connecter, donc je vais aller les rejoindre sur le Discord. Bon bah du coup comme vous avez pu le voir il y a une personne qui m'a donné du diamant. Donc il m'a donné 15 diamants, une pierre soleil, une pierre nuit et une pierre d'éclat. Donc écoute, merci à toi la personne qui m'a donné ça, franchement c'est super gentil. Là du coup il y a Nilo qui m'a donné du stuff, il m'a filé du stuff et puis bah il m'a filé un absol niveau 50 et il m'a capturé Plumeline. Enfin il a galéré à la capturer Plumeline. Enfin voilà, du coup je commence à avoir pas mal de Pokémon. Donc j'ai Salamèche, Jorua, Roucarnage. Alors ce qui est trop bien avec Roucarnage, c'est qu'on peut faire plein de choses avec, mais vous verrez ça au prochain épisode. Ensuite on a Absol, on a Plumeline, et du coup j'ai capturé aussi un Tauros. Et le Tauros il est vraiment énorme, regardez. Voilà la taille du Tauros. À côté de moi. Tauros, viens ici. Regardez la taille du Tauros quoi, il est vraiment vraiment énorme. Bon par contre il est que niveau 17, hein, va falloir l'entraîner, hein, mais bon. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais récolter quelques graines de blé. Voilà et on va se faire un petit champ de blé parce que clairement ça commence à être un peu tendu niveau bouffe là. Et il me reste plus que 10 pains et encore j'en avais plus, c'est Nelo qui m'en a refilé. Parce que c'était vraiment vraiment la galère là. Donc on va planter ça, on va faire une houe, on va juste casser là le feuillage. Normalement c'est de la podzol, je crois que la podzol même si je la cultive ça devrait fonctionner. Bon écoutez, je fais une houe tout ça et puis on se retrouve après. Bon voilà, j'ai récolté un peu de graines. Bon, j'en ai pas récolté beaucoup, j'en ai récolté 9. Maintenant, on va attendre que ça pousse et ainsi de suite. Jusqu'à temps que bah, j'ai ce qu'il faut pour faire de la bouffe. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que j'ai récolté 3 clés de vote en allant voter sur le site. Et ben, je pense qu'on va aller s'ouvrir ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut gagner? Bon bah, en fait, on peut pas appuyer pour voir ce qu'on peut gagner. Ça nous ouvre directement la boîte. Donc j'ai gagné une Pokéball. Non, 5 Pokéballs j'ai gagné. Ensuite. Attention. J'ai regagné encore des Pokéballs. C'est bien, moi ça me fait des réserves pour la capture. Des Pokéballs. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, on aura gagné 15 Pokéballs.
Donc ça nous permet de nous refaire un peu. On va pouvoir capturer du Pokémon. Hein. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cette petite série sur Pokémon va vous plaire. En attendant, j'ai plein de projets à faire dessus. Ça va être vraiment sympa. Déjà, capturer tous les Pokémon. Hein, en tant que collectionneur, bah moi, c'est un peu ce que je recherche. La stratégie des combats, tout ça, je pense qu'on en fera de temps en temps. Mais bon, voilà, sur ce mode-là, enfin, sur les pixel modes, les combats n'ont jamais été vraiment très équilibrés. Hein. La preuve, un niveau 15 s'est fait péter très facilement par un niveau 10. Enfin, c'est vraiment pas top pour les combats. Mais par contre, pour l'aventure, les recherches, tout ça, pourquoi pas. On pourrait créer une arène et devenir champion et créer notre propre badge aussi. Ça pourrait être vraiment sympa. Enfin bon, voilà, plein de trucs à faire. Donc écoutez les amis, si vraiment cette série vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker. Et à partager, à commenter aussi, à vous abonner, ça m'encouragera à continuer cette petite série, ça me dira aussi que ça vous plaît, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, allez ciao bye bye, à bientôt.